Et donc du coup, salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Franchement, merci beaucoup pour vos retours sur la vidéo. Franchement, je pensais qu'elle allait faire 0 vue, 0 commentaire, 0 like. J'ai vu qu'il y a plein de personnes qui sont abonnées. Enfin, plein de personnes, quelques personnes parce que voilà. Mais j'ai eu pas mal de retours et juste, franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc je vous remercie à tous ceux qui ont vraiment joué le jeu, qui ont mis des commentaires, etc. Donc, alors, je me suis préparé 2-3 questions à moi-même, parce que j'ai pas 20 millions d'abonnés non plus. Il y a quand même une ou deux questions qui m'ont été posées par des gens, donc merci à eux. Et si vous voulez un épisode 2, bah, reposez des questions. Bon, ce sera pas tout de suite, parce que bien sûr, on va pas faire tout le temps les mêmes vidéos, mais bon. Donc du coup, bah, c'est parti, la première question, quel est ton brawler préféré ? Alors en fait, moi, j'aime pas mal de brawlers. Mais c'est sur le moment. En fait, moi, quand je découvre un nouveau, même si je les ai à peu près tous, quand je joue avec un brawler et que je l'aime bien, bah, je vais essayer de le monter en 25. Bon, je vais jamais y arriver, mais j'essaye. Et je l'aime beaucoup. Mais du coup, en ce moment, mes brawlers préférés, j'en ai quand même plusieurs. Il y a Léon, il y a Mortis et Colt. Pour l'instant, c'est eux. Après, ça va changer, etc. Bon, Colt, quand même, c'est depuis le début du jeu. Mais voilà. Donc maintenant, une question assez longue. Si tu as 10 000 euros pour faire une vidéo, pour faire n'importe quoi, enfin, si, non, c'est plutôt pour faire une vidéo, les 10 000 euros, du coup, qu'est-ce que tu ferais ? C'est quelle vidéo que tu vas faire ? Et ben moi, j'ai répondu. Je vais faire plusieurs vidéos avec. Donc déjà, je prendrais 1 000 euros pour faire des pack opening sur plein de jeux, etc., pour faire des petites vidéos. 500 euros pour... alors, c'est un concept que je viens de créer, voilà. En fait, je... Ou non, 5 000 euros, je me suis trompée. Ouais, 5 000 euros, c'est vrai que c'est pas la même somme. Mais du coup, en gros, il y a des potes à moi. Bon, je pourrais pas le faire parce qu'il faut l'autorisation de mes parents, etc. Mais il y a des potes ou mes frères et sœurs. Enfin, on verra ça plus tard. Je pense que cette vidéo, je vais la faire un jour. Mais en gros, on va en forêt. On prend tout l'équipement qu'on veut. On a de l'argent. Enfin, on va faire des mini-jeux pour savoir quelle somme on va avoir chacun. Mais ce sera à peu près 5 000 euros en tout. Enfin, pas personne, hein, en tout. Et du coup, bah, on va prendre l'équipement, etc. Une semaine pour créer un abri. Y aura des sortes de règles pour pimenter le jeu, des événements, etc. Bon, il y aura plein de trucs. Et du coup, l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible pour gagner 1 000 euros. Donc, en tout, on va utiliser 4 000 et 1 000 euros pour le gagnant. Ensuite... 2 000 euros pour avoir de l'équipement, micro, clavier, etc. Parce que j'ai pas de PC, moi je joue sur une Switch. Donc voilà. 500 euros pour acheter des jeux et les faire en vidéo. Donc tester des jeux, etc. Même pour... Enfin voilà. 500 euros pour acheter des jeux, etc. Des jeux vidéo, même peut-être, je sais pas, des cartes Pokémon, on pourrait essayer d'en ouvrir. 1 500 euros pour faire les JO de YouTube. Vraiment, ce sera un grand événement. On fera les JO avec mes abonnés, 2-3 de mes amis. Et le gagnant, il récolte 500 euros. On verra la somme plus tard. Mais ça, franchement, si j'arrive à devenir un grand youtubeur, j'aimerais faire ce concept. La troisième question, est-ce que tu vas faire un autre jeu que Brawl Stars ? Ça, c'est quelqu'un qui me l'a posé en commentaire. Oui, bah oui, je vais en faire plein, plein, plein. C'est juste que, en fait, Brawl Stars, c'est un jeu accessible que je joue beaucoup. Parce qu'en fait, j'aimerais bien jouer à Minecraft, Fortnite, etc. Mais c'est un peu compliqué parce que bah, moi, j'ai que la Switch. Question 4, c'est quoi tes animés préférés ? C'est un peu comme les brawlers, ça dépend des périodes. Mais en ce moment, c'est plutôt My Hero Academia. Et j'ai re-regardé Naruto ici et Vinland Saga. J'aime beaucoup aussi One Piece, Spike's Family, enfin, Attaque des Titans. J'aime un peu tout. Moi, je suis large aussi au niveau des mangas. Assassination Classroom, moi aussi, j'aime beaucoup. Et c'est parti pour la dernière question. Alors, est-ce que tu fais un sport ? Oui, j'en fais. Alors, j'ai fait beaucoup de sports, je vais essayer de tous les dire sans n'oublier aucun. Donc, j'ai fait de la natation pendant 2 ans. C'était assez cool, mais j'ai arrêté la natation parce qu'en fait, pour moi, tant que je sais nager, bah, c'est bon. Je voulais pas apprendre plus. Après, j'ai fait un petit peu de basket, ça m'a pas trop plu. Enfin, j'aime le basket, mais le prof, c'était pas cool, il était pas trop cool. J'ai fait 1 an et demi de foot, j'ai bien aimé aussi. Et j'ai fait un an de boxe. C'était bien aussi, mais c'était un peu dur pour moi les entraînements vu que j'étais petit. Et là, j'ai réussi à me poser. Ça fait 1 an et demi que je fais du taekwondo. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc franchement, je vais continuer longtemps le taekwondo. Et bah du coup, en fait, le taekwondo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un sport de combat. C'est un art martial
coréen. Et le but, c'est de taper avec ses pieds, mettre des coups de pied, mettre des coups de poing, etc. Il y a plein de techniques. Allez vous renseigner, c'est super cool. Donc du coup, on est déjà à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, vous connaissez. Salut !